Pourquoi j'ai Ultimate Hunter? Ah, c'est que je les pique. Ah oui, je suis un connard. Barre de flash, apparemment. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas comme si on avait fail, genre la rune ténacité ou des trucs comme ça. Quelqu'un là? Merde. Plus d'applications de lentilles. Je comprends pas. Ok, let's go. On soigne niveau 1 qui a très certainement pris son E. Objectif, ne pas se le prendre. Ah, oh, il joue phase rush. Intéressant. Objectif, ne pas lui donner trop de stacks en early. Et normalement, une fois qu'on aura notre E, dodge le sien, ça devrait pas être trop compliqué. Parce qu'on sera très souvent à son corps à corps. Forcément, le corps à corps de Swain, c'est le plus dur pour toucher le E. Il phase rush exhaust. Ouais, ça fait sens. Hein. En vrai, ça fait sens. Je comprends la réflexion qu'il y a derrière. Mais du coup, ça fait que ça va être dur pour lui de me tuer, je pense. Après, j'imagine qu'il a pas spécialement envie de me tuer, il veut juste scale la game tranquille. Là, c'est plus la merde, ça. Le flash. Ok, il rate, j'arrive. Ah, si j'avais eu le raid. Nice, ok, ça va. Tu sais que pendant un moment, je vais vous le dire parce que je me sentirais moins honteux. Pendant un moment, j'ai hésité à laisser le kill à Swain pour pouvoir récupérer le double buff. Voilà, je le dis, je suis désolé. Il est vrai que cette idée a traversé mon esprit. Voilà, je le dis, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Puis ensuite, je me suis rappelé que bon, il serait quand même temps de gagner des games, quoi. Je l'aurais fait, sache-le. Oh putain. Bon, ça va. Je me sens moins mal. Oh, dommage. Du coup, je rate les deux. Les trois. Yes. C'est pour ça que t'as pas E instant. Ça peut être bien que K ne rachète pas la game. En vrai, bro, les gens ils connaissent tellement pas Kata que no joke, je laisse le Swain le tuer, il sait même pas que j'ai fait exprès. Hein. Après, il avait qu'à me laisser le kill sur Nida aussi. Hein. On a un niveau d'avance, c'est pas mal. Je sais pas où est Swain. Enfin, ces joueurs qui invade alors qu'ils gagnent pas le 1v1, ça me cringe de ouf aussi. Hein. C'est trop à un moment. Avec le max E, on n'hésite pas à le poco E. Hein. Quand c'est possible, on va pas sous tour non plus, mais... Mon triple kill au bot, là. J'ai pas de R encore. On a Ultimate Hunter, donc c'est bon.
J'ai vraiment fait exo, celle-là. Elle a vraiment exhaust avec un PV, là. On est où, frère? Où sommes-nous, les amis? Il manque 200 gold. 300. 350, même, pour être exact. Soit il n'est pas niveau 6. Je viens de marcher sur le trap, j'ai trop la haine. 4 stacks d'Ultimate Hunter, bien joué. C'est quoi le CD? 66 au lieu de combien? Et en vrai, c'est 90, le CD, non? Eh, en vrai... Ça fait que j'ai besoin que de 5 kills pour reset au lieu de... J'ai juste à faire un pentakill et je récupère mon ulti. Hein. C'est huge. Hein. J'aimerais bien avoir les 100 gold qui me manquent là. Et voilà. Ah, mon bac c'est cancel. Yes. 5 stacks. 5 stacks à 7 minutes de jeu. Mon ulti, 63 secondes de CD. GG à tous. secondes de CD. T'as oublié Treasure Hunter, c'était fini. J'avoue que Treasure Hunter... En vrai, Treasure Hunter, là, ça ferait que j'ai combien de gold? 450 gold en plus? 550 gold en plus? Ouais, Treasure Hunter, ça me donne des bottes, là. Après Treasure Hunter, j'aurais pas attendu au top pendant aussi longtemps. Mais bon, je joue jamais Treasure Hunter de toute façon. I command your execution. Quand t'as un Sunderer alors que ton matchup il a un tome d'amplification, c'est que la game elle se passe plutôt bien. En général. Regarde la botlane qui va engager. Oh merde, c'est Warm. Ah. 28 Warm. Mida est top, donc on est safe. Tu serais déjà en train de taper le Nexus avec la MS. Non, moi je joue avec le truc qui réduit le CD des items. Pour pouvoir proc plus souvent le Sunderer. Je suis même pas sûr que ce soit worse encore, mais j'aime bien. Ça se retue top, non? Oh, c'est à moi ça. Ah, pas à moi. Oui, ça se retue au top. Bon, le Urgot, il va rage quitte la game, hein. Il veut plus jouer, là, le Urgot, hein. Ah, il y a un trap. C'est quoi la proba que Nida me trappe dans ce bush, là? Je suis en 6-0, là. Ah, il faut pas mourir. Ah. Bon, il y a Nida qui se balade là-bas. Pas trop ce qu'elle y fait, elle fait vraiment les raptors toute seule là? Non. Je trouverais ça vachement chelou de faire les raptors là. Ok, elle fait l'Hérald? L'Hérald c'est chelou aussi mais... Ok, c'est juste barré. Il n'y a plus de mana. Ça coûte du mana le R de Swain ou pas?
aucune idée. Putain. Bah, j'imagine que non, du coup. Qui m'en veut votre pote là. Premier air wheel, le deuxième non wheel dans le deuxième, c'est sûr. Bon, on parie qu'il y a une spire qui va sur cette dague là. Ah non ? Ok. Bon, on est plutôt bien là. On est plutôt dans une game qu'on peut considérer comme solide, je pense. Quand même. Être partout à la fois avec Katarina, c'est comme ça. Pêche, c'est vrai qu'on a eu les 5 stacks très très vite. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il joue Exhaust aussi. Ça a failli être... Ça a failli me coûter cher son Exhaust. Bah ça m'a coûté mon flash quoi. Ouais, bien joué l'équipe. Après, en vrai, tout part du fait que la Nida invade alors qu'elle gagne pas le 1v1. Hein. Les mecs qui font ça... Aucun sens, hein. Arrêtez l'invade si vous gagnez même pas votre 1v1, je... Mais qu'il se passe quoi? Ah, je crois que Swain a décidé d'arrêter de jouer la partie correctement, hein. Vraiment, ça a aucun sens de face check alors que bah, j'étais en train de taper le trap, frérot. Genre. Ouais. Ah, les dégâts que j'ai là. Bon, ça spire. Allez, viens faire tes raptors. Pardon. La Sylvanida est sûrement en train de dire mid-diff, mais tu sais qu'en vrai ça m'étonnerait même pas. Hein. Ça m'étonnerait même pas qu'après son invade elle insulte son midlaner alors que bah. Bon, il a flash in pour la sauver la Nida à la base de mid. Hein. C'est vraiment juste un move de merde. Hein. Oh merde. Je suis mort. Tout va bien. Je joue peut-être un peu trop avec le feu là. On rappelle que je vaux 1000 balles. Ce genre de move, c'est vraiment pas les moves que tu fais quand tu vaux 1000 balles. Hein. En fait, c'est les moves que tu fais jamais normalement. Mais... Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Après, je suis contre un Swain qui joue sans item offensif. Enfin, sans rune offensive. J'ai trop envie, moi, de jouer comme ça, là. Ah. J'ai cancel l'auto, on est d'accord, parce que je vois pas un monde où je la cite pas le sbire. Faut que je fasse gaffe à ne pas chanter. Parce que YouTube, ils vont me prendre pour des cons si je chante. Parce que YouTube, ils ont pas la musique. La Nyoda va dire bah t'inquiète Twitch, on a la musique mais on te prend quand même comme pour un con. On attend le message de Nyoda hein, qui va s'afficher. Ah non, même pas. Il doit être occupé, je pense. Allez, récupérons tout ça. On va récupérer la tour en passant. Oh, le kill pour Swain. Swain qui reset son bounty. En vrai, méta shutdown, faut pas oublier. Hein. Là, à tout moment, les ennemis reviennent dans la game. Hein. J'aurais pas la tour, je pense. Hein. Je me demande s'il y a pas un monde où t'arrives à auto-attaque, eux, au moment où l'auto-attaque part, et du coup, proc le shin sur l'auto-attaque. Je me demande s'il y a pas un monde où c'est possible.
Je vais pas essayer tout de suite, mais... En vrai, il a des items, hein. Il a autant d'items que moi. Parce qu'il faut bien, faut pas oublier que la dent de Nashor, tant que tu l'as pas complétée, c'est de la merde. Hein. Après, je suis niveau 11. Regarde. Je croyais que c'était... Ok, ça va. Je m'attendais pas à un dash en avant de la Nida, là. J'ai flash pour une assist, ouais. Manque pas grand chose, j'espérais pouvoir... Allez. Oh putain. J'espérais pouvoir récupérer mon... Ma dent de Nashor, mais apparemment non. Go récupérer ça histoire qu'on puisse enfin récupérer notre putain de dent de Nashor là. J'avoue que j'ai pas trop envie de vendre le seau noir, mais. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Ah, 100 gold en vrai, je peux bien attendre. Hein. Notre seau noir il est stacké à 7, ce serait dommage. Bard ? Jure, il face check pas le Bard. On a Senna qui pète la gueule de l'ADC. Faut que j'essaie d'auto-attaque et de E pour voir si le E proc la brillance. Ah oui mais non mais il me reste qu'un seul sbire, je peux pas. Enfin si l'auto proc la brillance je veux dire. Salut Didifou. Bon cette fois on a la dent de Nashor. Donc niveau dégâts on peut dire qu'on est plutôt stacked. Hein. Globalement on devrait pouvoir tuer la grande majorité des ennemis. On va rester avec 0 mort évidemment. Plus ce qu'il y a de cool, c'est qu'on a un Kha'Zix qui joue avec Gueule de Malmortus et qui va très certainement nous faire une Death Dance juste après. Donc ça va être sympa. J'ai envie de me battre. J'ai envie de me bagarrer. Après, j'ai pas de Zhonya. On fera Zhonya en troisième item. Parce que bon, on vaut 1000 balles. L'objectif, c'est de valoir 1000 balles jusqu'à la fin de la game, quoi. Faire en sorte de ne pas donner notre bounty, comme on dit au Far West. Il y a deux exos aussi dans leur équipe, on n'oublie pas. On tâche de respecter les ennemis. Oh non. Ah. Bah j'avoue que le portail il casse les couilles quoi. Je vais pas vous mentir que ce portail... J'ai un peu le seum. J'avoue que, bon, j'avais pas l'intention de prendre le portail, quoi. Oh, j'ai tellement la haine, frère, what the fuck. C'est Bard qui a eu le bounty. Ah ben voilà, mais j'avais tout prévu. All planned. Mais tout va bien, non mais les mecs, ils font les apeurés dans le chat, what the fuck. Enfin, évidemment, on avait prévu que l'intégralité des 1000 gold de notre bounty aille sur le Bard, bien entendu, c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Enfin les gars, what the fuck. T'as vraiment des mecs qui pensent que j'ai run down là, non mais c'est des fous. Hein. Non mais c'est juste que je suis dans le futur genre. C'est ça la méta aujourd'hui. Réussir à donner le shutdown à la personne la moins utile de la team en face. Mais bon. Après, vous voulez pas comprendre ça, j'y peux rien. Je vais pas vous forcer à jouer correctement non plus. Bon, cette fois, on a le bébé Zhonya. On n'oublie pas de quand même récupérer le farm. Le but, c'est de garder notre avance. Si Kha'Zix fait n'importe quoi, on le laisse faire n'importe quoi de son côté. Hein.
Oh, jure Nida, tu vas faire tes raptors là. Donc la Nida, elle m'attendait. Peut-être aller farm bot. Le problème, c'est qu'ils ont tellement d'exos que je peux pas vraiment me permettre de faire des 1v1 contre qui que ce soit. J'avoue, barre de build ADC, j'ai wallplay, on a perdu. Sur un smurf, t'aurais dashin, c'est vrai. Ouais, cette game, elle est loin d'être gagnée. Hein. Très très loin d'être gagnée. Et le problème, bah, c'est qu'on... Bah, aussi bien on puisse jouer. L'objectif, ça reste de casser le Nexus. Si on casse pas le Nexus, c'est perdu. Je crois que je viens de run down. Bon, c'est bon. Ah. Peut-être que c'est pas bon. Je prends pas de risque. On prend zéro risque ici. Zéro risque de prix. Mais c'est vrai qu'on a le scaling. Globalement, on est censé gagner, mais... Et j'en ai perdu bien assez des games pour savoir que... Ah ouais ? Pour savoir qu'on peut tout perdre. On va peut-être attendre notre Zonia du coup. On va jouer autour de Kha'Zix, autour de la team. Notre objectif, ça va être globalement de last-hit les ennemis. Hein. Il y a assez peu de chances qu'on arrive à tuer des gens. En tout cas tout seul, j'entends. Je vais peut-être devoir flash. Tout va bien. Ah. 300 gold. Il y a un papillon de nuit qui se balade sur mon bureau. En fait, l'avantage, c'est que vu qu'on a continué à farmer, on a toujours beaucoup d'avance en termes d'XP. Ça, c'est huge. Parce qu'on va passer niveau 16 assez vite dans la game, si on troll pas. Je vais attendre mieux. Et du coup, au niveau 16, on devrait pouvoir gagner la game tout seul, pratiquement. J'ai un putain de truc dans l'œil. Ah ouais. Les gens ont si peur que ça que je récupère des kills ? J'ai toujours un truc dans l'œil. Il t'empêche de jouer comme il veut depuis qu'il a récupéré le bounty. Ouais, je pense vraiment que le bounty sur Bard, c'est la loose. Hein. C'est cadeau. Je pense qu'on a loose. Hein. C'est vrai que cette game, elle est plutôt slow depuis qu'on a donné le bounty. Hein. C'est le moment. Oh, joli. Elle est jolie en vrai. Bon, on va peut-être récupérer notre zonia, on a 2600 balles. Au moment, il s'agirait d'arrêter de troll Flash à 2 et on va faire le rabadon après, je pense. On fait le rabadon, ouais, on va. Sinon, on fera le Medjay, on verra. Du coup, avec kata ou sans kata, ou t'as oublié de changer le titre ? Quoi ? Le titre, c'est on monte master avec et sans kata, non ? Je crois. Si j'ai pas changé, si j'ai changé, my bad. Ah. Oh, Kha'Zix ? Dommage. Ok, c'est mon moment. C'est mon pentakill. C'est vrai qu'on a pas fait de penta depuis le patch. C'est peut-être temps, hein. Okay.
Merde. Alors, le Medjay. Je suis vraiment en mode Omega Test limite, je suis un enculé. Après le Kha'Zix, il se suicide aussi, j'ai le droit, hein. J'ai le droit, hein. Non ? Faut bien faire un peu de beau jeu, YouTube, YouTube ça leur manque. Hein. Je suis là à tryhard toutes les games, la merde. Hein. YouTube, ils veulent me voir. Ils veulent me voir en sueur. Bon, c'est pas à sortir de son contexte, hein, bien sûr, mais. Après, c'est vrai que le Urgot il fait mal aussi. Après, le problème, c'est que les pentas, c'est un peu plus compliqué vu qu'on one-shot personne. Notre but, c'est plus de last-hit les gens, donc on doit jouer les fights un peu plus slow si on veut penta, je pense. Tu peux E sur les wards, Pink, non. Oh, les dégâts de la Nida. J'aurais dû flash out cette spear, je pense. Oh non, ils vont tuer quelqu'un sans moi, là. Ah bah, c'est bon. Ok, il y a un exhaust en moins. Pas pu prendre le portail. Bon, c'est pas le penta, mais on a fait un bon fight. On a globalement fait un bon fight. J'avais pas le Zhonya, donc c'est vrai que c'était un poil greedy. Mais on est tanky, on se fait confiance, et on a un Medjay à 25 après un seul fight. Tout va bien. Le Medjay est content. Ok, c'est le moment du penta, c'est ça? Ah. Ah, je crois que la team elle est déterminée à finir cette game avant que j'ai une chance de penta. Laissez-moi penta! Oh, ça dégoûte. Ça dégoûte. Comment tu fais pour avoir en tête tes CD puisqu'ils reset? Bah après les CD ils reset quand je fais un kill. Du coup c'est facile. Dès que je fais un kill, les CD sont revenus, tu vois. Globalement. Genre c'est, ils reset pas de manière random les CD. Le R aussi. Le R c'est 15 secondes. J'avoue que là, on avait Ultimate Hunter en plus, vu que j'ai fail mes runes. J'avais pas le CD de l'ulti en tête. Mais oui, c'est 15 secondes le R. Bah, bien joué l'équipe, globalement. En vrai, toute la team a été globalement pas nulle. C'est déjà pas mal d'être pas nul. Moi, j'aime bien les gens pas nuls. Genre. Tain, j'ai cru qu'il y avait écrit Buff Rengar. Quoi? Comment ça, Buff Rengar? Et en vrai, il a fait des dégâts, le Kha'Zix. Il a fait plus de dégâts que moi. Après, le Kha'Zix, il s'est suicidé 7 fois aussi. Donc bon. Eh, c'est facile, hein, de faire des dégâts quand tu te suicides. Ultimate Hunter, 100% de winrate, GG. Attends, faudrait regarder les stats. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent Kata avec Ultimate Hunter? Et si non, est-ce que grâce à nous, la rune a 100% de winrate? Attends, go regarder. Rune Table. Ultimate Hunter. 58,33%, bah... Désolé, mais c'est les stats qui parlent. Hein. C'est les stats qui parlent, les gars. Broken, la rune. Hein. Globalement, les gens qui ont fail s'en sont quand même bien sortis. Donc ça va. Ah, elle a vraiment un winrate de mid, Kata, what the fuck. Pourtant, je la sens pas si faible que ça, Kata ATM. Hein. Mais ouais, apparemment, elle est faible. Enfin, faible. Pas exagéré, mais... Apparemment, il s'en sort pas bien. Il a tous les ranks, hein. Ah ouais. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement plus nulle qu'avant, mais... Mais bon, si elle peut se faire buff, moi, ça me va, hein. N'hésitez pas à buffer Kata, les gars. Y a pas de souci, hein. Bon, merci YouTube, en tout cas. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée. N'oubliez pas, hier, il y a la vidéo sur Swain qui est sortie. Non, pas Swain, sur Xerath, pardon. Xerath, hein, le tuto, comment être riche comme moi quand je joue Xerath. On rappelle que c'est un perso où c'est imperdable.
Donc merci à tous, passez une bonne nuit, et on se retrouve ce soir en live. Bye bye.